CS, on peut dire les fesses contre eux. Les guildes, est-ce que tu nous parlerais pas des compositions, mon ami Sou? Eh oui, alors les fesses qui sont en rouge sont composées de Bronski, un SRAM, Khan, un Sacrieur, Lyunji, un Fekka et Upkeeper, un Nekaflip. Compo intéressante. Compo intéressante. Et alors, en face. Juste, je voudrais dire par rapport aux Nekaflip, parce qu'on a fait quelques stats avec Santi, c'est surtout lui qui les a faites. Il y a beaucoup, beaucoup d'Nekaflip dans ce tournoi. Ils sont 11%. 11,25% du total des classes de participants. Donc c'est quand même pas mal, ils sont juste derrière, ils talonnent les Yop avec 16% d'Yop dans ce tournoi. Donc les Ekaflip vont être très représentés. Aussi, hein. Et il y a les Fekka et les Zenu, exactement, et les Sacri aussi, ils sont assez représentés. On en parlera peut-être à la trêve, d'entre deux matchs, pour faire un point sur ces stats qui sont assez intéressantes. Et donc les rouges, quel est le nom de la les bleus, quel est le nom de la team bleue, tu m'as dit, pardon? Les guildes. Les guildes, oh oui c'est ça, exactement, j'avais sous les yeux tout à l'heure. Alors, c'est quel compo les guildes? Alors les guildes c'est Nezahl, un Yop, Vapoxyd, un Steamer, Elif, un Heliotrope. Oh là 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 là, énorme. Et The Reaper, Losamodas, et attends. Il me semble qu'en fait que la team de l'Heliotrope, ils ont inversé. C'est Team May RPZ. Attends. Change la vignette ad, là c'est Zay qui t'accompagne. Bah ouais, non, c'est bien les guildes, c'est bien les guildes, c'est bien les guildes. Il y a bien Zay sur la vignette ad et Zay. Et ben quoi? Et bah ouais, bah prochainement dans le chat commence. On dit change la vignette. Ouais, t'es là Zay. Mais du coup, on n'a pas de vignette pour Sou encore, tiens, je viens d'y penser. Oui, merde. Bah il a bientôt fini de la faire donc. Ah ok, d'accord. Bah si, bah là dans la soirée, on la mettra, mais je pense pas. C'est non mais rien, tant pis. Allez, le combat donc qui se lance avec, on l'a dit, côté rouge, ce SRAM qui joue, mais cache dans l'ombre, hein, on lance l'invisibilité dès le tour 1. Est-ce qu'il a posé du piège un petit peu, un poison insidieux, l'invisibilité, un piège d'immo. Merci à Redlex pour le follow. Ah tiens, le logo c'est l'autre, ne s'affiche plus quand il y a un follow, faut que je remédie à ça tout à l'heure. Et donc en face c'est le Steamer, alors un combo Steamer Héliotrope, qu'est-ce que ça va donner? C'est deux classes vraiment très intéressantes, deux classes qu'on n'a pas forcément très l'habitude de voir, mais beaucoup de placements exactement. Alors il va jouer Gardienne hein, notamment là, ce Vapoxyd, pourquoi pas, il y aura déjà je pense de grosses capacités de placement avec l'Héliotrope, l'attaque tirale est peut-être pas nécessaire, quoique face à un Sacri l'attaque tirale aurait pu être assez intéressante, bien qu'il joue avant le Steamer, donc bon. Ça va être dur de contrer le sacrifice. Ouais, mais vu sacrifice. La map, l'attaque tirelle, vu la map, c'est vrai. Enfin, ça peut être intéressant, mais la gardienne, c'est à mon avis plus intéressant sur une map comme ça. Hein. Tout à fait, la gardienne qui va permettre... Surtout que la cop se contre relativement bien, hein. Ouais. La map n'est pas très lointaine. C'est vrai, la cop, il va falloir rocher face à la cop, hein, et c'est la technique de base. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a de l'érosion, et les caflips en l'occurrence en face... Et le SRAM aussi, et du coup la gardienne ne compte pas du tout l'érosion et ça va être le souci. Tout à fait, alors on va faire le tour peut-être des archétypes hein, pour spotter les soins. On en a un sur The Reaper qui est justement en train de jouer et ce sera le seul soin avec la gardienne, donc côté bleu. Et en face on va avoir droit à de l'archétype peut-être sur le Sacri, le Fekka, non je ne vois pas d'archétype côté rouge. Curieux ça. Le Fekka qui a des res fixes bizarres quand même. Mais ouais. C'est de la strigide. Je me suis fait un petit thé pour m'accompagner ce soir. J'espère que ça Il est pas froid, il est pas dégueu. Non, il est très bon. Je l'ai fait juste. Je m'y suis pris au bon moment ce soir. J'ai pas fait le con. Je l'ai fait juste avant de venir. On parlait justement. Vous en parliez? Ouais. Oui. Ah bon, merde. D'accord. Allez, le Fekka qui donc pose, qui lance son rempart, un petit Doppel qui a été posé par le Fekka. Si on part de l'ordre d'initiative, comment ça va se passer? Et ça me paraît bizarre quand même, l'Ossa, les types, vu les restes qu'il a et en crame-crame, moyen. Ouais, j'avoue que le crame-crame, c'est un peu con. Moi, c'est les 25 fixes R qui me font penser. Remarque, c'est pas de la Hermine qu'il aurait là, The Reaper, vu ses restes. C'est quoi en crame-crame aussi? C'est curieux comme. Quel stuff sur The Reaper? Dites-nous les viewers, dites-nous. Peut-être de l'auto... Non, c'est pas de l'automine. Allez, le portail de l'Héliotrope. Il faudra utiliser ses mubes. On n'en verra pas beaucoup, hein. Il faut qu'on apprécie. Je dois t'avouer que autant le Xelor, je le maîtrise, autant l'Héliotrope, j'ai encore beaucoup de mal. Est-ce que tu le maîtrises parfaitement, Sou?
Pas parfaitement, mais dans les grandes lignes, oui. Dans les grandes lignes, super. Donc tu vas pouvoir nous avancer. Bah, nous connais que les portails, il faut taper à travers la symétrie, puis. Ouais, d'accord. Donc tu connais aussi bien que moi, en fait. tu connais rien de plus. Non, mais je connais les sorts et tout, quoi. Mais bon. Peut-être que Zay est OP sur les hélios. Non, du tout. Justement, non, du tout, je viens pour ma vidéo. Non, page avec tout non moi, Dofus, ça me dit rien. Non, je connais pas Dofus. Moi, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Donc, un portail qui a été posé par Elif. Pour le moment, il n'y en a qu'un. Donc, rien n'est possible hein, avec ce premier portail. Comment il va positionner le suivant, d'après toi? Il va aller le mettre dans le camp adverse. Comment ça va se passer? Je sais pas. Pas du tout. Tu sais pas, on verra. On verra bien. Donc là, le Sacri qui joue son premier tour, ça pose simplement du Doppel. On essaie de prendre un léger map control avec des invocations. Le Crackler va néanmoins gêner peut-être le passage et la ligne de vue là, en mid-map. On va voir ce que ça va donner. Et le Crackler qui a offert des raises à ses coéquipiers, hein, couplé à un crapaud pour éviter qu'il se fasse tuer assez vite. Tout à fait. Tout à fait, donc potentiellement une coopération à venir autour d'eux. Qu'est-ce qu'il y a en face pour la contrer? Eh bien, ça va être compliqué de la contrer. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Hein. Il va falloir qu'ils foncent. Il n'y a pas d'ennu, il n'y a pas de corrup, il n'y a pas de retraite. Ah ouais, ça va être dur, ça va être dur de contrer cette coop. Il va falloir foncer côté bleu. C'est pour ça que la gardienne, ça peut être un peu contradictoire. Hein, parce que la coop, ils vont être obligés de rusher pour la contrer. Et rusher dit érosion avec Eka et Sram. Et du coup, la gardienne, elle va être un peu inutile. Hein. C'est clair. C'est clair, la gardienne va peut-être être très peu utilisée. On va voir comment ça va se passer. Néanmoins, allez, le SRAM qui continue à jouer dans l'ombre, un chaffer fou, qui a déclenché le piège de silence sur l'héliotrope et le Samadas. Bien joué ça, c'est bien joué de sa part. Pas de réseau de piège pour le moment en préparation par Blonsky. Allez, l'harponneuse qui est posée. Pourquoi cette harponneuse de Vapoxide pour rush dessus, pour s'aspirer, pardon. Tout ça. La prise d'âme pour contrer la coop aussi, ça peut être une solution. Ouais, voilà. Exactement, j'avais pas pensé à cette brise lame. Et du coup, potentiellement, il y a Nezahl qui peut encore être coop, mais c'est pas bien grave, avec son bond, il pourra sans doute revenir. Ouais, il joue juste après le sacrir, donc ça posera pas de soucis. Pas trop de problème. Oui, qu'est-ce que je veux dire? La coco, il a chargé quand même, hein, Nezahl. À ne pas perdre de vue cette histoire-là. Dans deux tours, tour 4, il va pouvoir la claquer. Coco, qu'est-ce qu'il y a en face pour contrer la coco? Eh bien, il y a un Feka, il y a une dérobade aussi avec ce sacrieur. Ça va être très compliqué. Et il y a la chance des K-flips. Et il y a la chance des K-flips, oui, tout à fait. Ça va être très dur. Et il y a l'invisibilité de tri. Et voilà, la coco n'a aucune chance de passer. Ça commence très très bien pour moi ce soir. Un peu les boules, mais c'est pas grave, on va faire avec. Parce qu'on est sur Brumaire et. Et que voilà, salut à toi, coucou toi lol. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. C'est la Sinistro sur le SA, nous dit coucou toi lol. Merci pour l'info, coucou. La Sinistro sur coucou toi lol. Non, sur l'OSA, pardon. Pas sur coucou toi lol. Ouais, mais je trouve ça, bizarre. Ouais, il a peut-être pas mélangé à la. Ouais, pour moi, y a pas de Sinistro. Hein. Y a pas de. Enfin, c'est possible, hein, mais y a pas de répou. Ouais. Zay, est-ce que je peux te charger de lire le chat? Parce que moi, je ne peux pas lire le chat et suivre. Ouais, je suis le chat. S'il y a des infos sur les stuffs, ce genre de choses, tu relais, hein, tu nous le dis. Hein. Ok. Et mais il a peut-être raison, sur les moves, hein, je ne suis pas un dieu. Hein, si les viewers imaginent des moves que nous, on ne voit pas, hein, tu relais et puis on en parle. Hein. Il n'y a pas de souci. Et du coup, ils vont encaisser la coop de plein pot. Là, hein, et ils comptent sur leur harponneuse qui est Reznat et Convergence pour éviter de se taper dessus. Attends, j'ai vu qu'il y a un crapaud qui a été lancé. Il a été lancé sur qui, ce crapaud? J'ai pas fait gaffe. Le crapaud, il a été lancé sur Elif. Pourquoi il l'a pas lancé sur... sur Nezahl, ça aurait pas servi à grand-chose, peut-être. Ouais, crapaud sur Elif. Est-ce qu'on préparerait pas un move, là, avec l'héliotrope pour que le crapaud soit lancé dessus, quand même? C'est curieux, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je vois pas ce qu'il veut faire, hein. C'est surtout pour au cas où il se fasse cop, hein, je pense. Comme c'est lui qui joue juste après le sacri, c'est compréhensible aussi, hein. Comme c'est la cible parfaite pour être cop. Hein. C'est vrai. Allez Elif, montre-nous ton jeu de d'héliotrope. Voir ce que ça donne, très intéressant. Vous êtes plus de 150 à nous regarder. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent en cours de route. Nous sommes donc sur le Bruminator. Allez, ça pose là maintenant trois portails. Un portail, des portos, comme on dit.
Est-ce qu'il va pouvoir les utiliser dès le départ? Non, alors voilà, une des capacités de l'hylotrope, c'est de soigner aussi. On l'a pas dit, on a dit qu'il y avait une gardienne et qu'il y avait en effet peut-être de l'archétype, et encore pas sûr. Mais il y a aussi ce steamer, cet hélyotrope, pardon, qui peut soigner avec sa cicatrisation. Et ça peut être très pareil, intéressant. Hein. C'est comme la gardienne, hein, la cicatrisation, ça soigne en fonction des points de vie max. Ouais. Donc s'ils se prennent de l'érosion, c'est vrai. Tout à fait. Ça va devenir de plus en plus inutile. Alors, on me demande de mettre la police avancée. Qu'est-ce que c'est la police avancée, là? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, c'est bien joué, ça. Nezel, il va être bloqué. La griffe agressive, ça va l'attirer dans les gravita et il pourra pas bon. Ni un petit peur. Ah oui, bien joué. C'est vrai qu'on n'avait pas vu venir ce glyphe qui est très intéressant. On n'a pas vu beaucoup de féca sur le Dominator. Hein. Ça fait bizarre d'en voir à nouveau. Et du coup, Nezel, là, qui va se retrouver complètement bloqué et gêné, là. Hein. C'est déjà compliqué pour les guildes. Bon, pas compliqué, mais ça va être difficile de sortir de ce pétrin en tout cas. Ouais. C'est dommage qu'il ait pas vu venir cette histoire-là, parce que c'est vrai que quand on connaît un petit peu le féca, on sait comment ça peut se passer, couplé à un sacri. Un move que je te dis, j'avais pas vu depuis un petit moment, ce move-là. Oh, c'est bien joué. Ouais. Et ça pose de l'érosion du côté de Nezel. Et donc merci à l'Eretim pour le follow. Oh là là, et ça claque. De la destin. Ça cherche sa destin. Ouais. Sur Upkeeper. Et ils vont profiter pour faire quelques dommages. Nezel, merci à toi, Elbou, Azati. Ah là, j'ai peur pour Nezel. J'ai vraiment très très peur pour Nezel. Je me dis que ce combat va peut-être être très rapide finalement. Je sais pas comment ça va se goupiller cette histoire-là. C'est assez effrayant. C'est vraiment effrayant. À voir, hein. Ouais. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre après avec les portails, on sait jamais. Est-ce que Vapoxyde peut aller le chercher, là? Il a attaque Tyrell, ça y est, qui est posé, Vapoxyde. Il s'en sert. Est-ce que ça va peut-être rush, tout simplement, pour venir en soutien à Nezal? C'est peut-être la bonne opération, bah, oui. Vapoxyde. Et mais voilà, ça, c'était prévisible. Ils auraient, je pense, du rush dès le tour 1. Ouais. On est vaut cette tactirelle. Merci à toi, Deos 38. Allez, Vapoxyde. Allez, Vapoxyde. Il faut y aller. Ah mais d'accord. Ils ont trouvé le SRAM. Ils bloquent le passage. Tout, pas mal du tout. C'est le plus grand des hasards, là, en fait. On est d'accord, hein. Ouais, moyen. C'était prévisible qu'il allait foncer et que le SRAM se trouve en plein milieu du passage, c'est pas forcément judicieux de sa part non plus. Ouais. Et les cas qui cognent sur Nezel. Ouais. Avec des réflexes, avec de l'érosion et de Dex Rambad, c'est bien mal. Il y a plein de follow, merci à toi. Alors, je ne citerai pas ton pseudo, hein, follower, parce qu'il y a beaucoup trop de lettres. Excuse-moi. Allez, du Depp Félin, du Reflex. Il a essayé de taper le SRAM, mais la tech tirée l'a déplacé, donc il sait pas où. Il sait pas si elle a déplacé de combien de cases. C'est ballot. The Reaper qui a reclaqué donc le crapaud sur Elif. Attention, prochain tour, la Coco est là. Hein. Alors, est-ce que c'est pas s'offrir un petit peu à ce Yop que de l'avoir coop finalement? Parce que s'il tient jusqu'au tour 4, il va pouvoir placer sa Coco. Bien que, avec les classes qui est en face, comme je disais tout à l'heure, ça va être très tendu. Ça va être très très tendu. Les cas, il a juste la chance, hein, et il peut pas la placer, hein, parce qu'il veut pas un titre dans la vue gravitationnelle. C'est clair. C'est fini. Hein. C'est clair. Et la Coco ne passera pas. Est-ce qu'il y a des infos à remonter, Zay, du chat? Pas. Non, d'accord, ok. Rien du tout. Il y a Katak qui nous informe que les cas seraient peut-être en reine des voleurs. Oui, bah oui, c'est sûr, ça. Les cas, avec le Pilostère. Avec Zax Rambad. Le stuff du moment, hein, c'est à la mode. Hein. Ouais. C'est récurrent. Allez, le Doppelfeka qui vient claquer. Ouais, allez, faire quelques dommages. C'est toujours ça de prier autour de Elif de jouer. Les portaux. C'est pas vrai, ça va rester. Mince, j'aurais pas dû le dire. Les portails qui ont été posés. Ouais, mais... Est-ce que ça peut lui servir, là? Est-ce que... Non, compliqué. Il prend le portail, il va être saoul après. Qu'est-ce qu'il peut nous faire avec ces portails? Ben rien, là, il fait rien. La raillerie, à quoi ça sert? Ah non, il pensait trouver le SRAM, mais en fait, non. Tachirel l'a déplacé. Dommage. On ferme le portail pour éviter de prendre Bagdad à son tour.
Et ça soigne. Hein. Et pour le moment, l'héliotrope qui n'est pas transcendant. Hein. C'est vrai que il n'a pas eu possibilité de trop d'utiliser ses portails pour faire du dommage. Et il cherchait le SRAM, hein. Ouais. Mais c'est en vain. Hein. Il faut faire attention à nos ailes. Hein. J'espère qu'il va encore tenir un tour pour espérer voir une colère, mais un peu compromis. Hein. Non, mais la colère, elle passera jamais. C'est pas possible. Face aux classes qu'il y a, non, c'est pas possible. Et par contre, ouais, il prend des baffes. Il prend Bagdad. Hein. Nézal, malheureusement. Oh yo 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 yo, cher Khan qui se bon, régale. Peut-être là, pas Bagdad, hein. Mais. Oh, attends, regarde-moi ça. 2300 HP. Il est mid-life. Hein. Ça y est, Nézal. Hein. Alors se protéger, hein. Surtout qu'il a déjà une vita sur lui. Il prend tout dans le nez, hein, Zal. Oh là là, j'en étais sûr que t'allais la faire. Ah oui, elle était facile, celle-là. Oui, facile. C'est pour ça que j'ai pas trop rigolé. Allez, c'est justement à lui de jouer. Tiens, bah là, je pense quoi, il peut toujours pas s'enfuir, hein, là. Si ce n'est taper sur les adversaires à proximité, il y a rien d'autre à faire, hein, pour Nézal. Oh là là, on perd 6 PA, 6 PA, mais il arrive si quand même, il arrive à détacler et à bon enfin, mais voilà, il perd pas un mal, tour de hein. Jeu, hein. Il perd un tour de jeu quand même, hein, c'est. Et voilà, le SRAM qui est ici. Bronxy est ici, Bronski, pardon, Bronski est ici. Run Sky. Alors là, salut à toi, Uffy. Non, il n'y a pas eu de coco malheureusement, comment tu vas, Uffy? Est-ce que c'est la forme? Salut! Il y a malheureusement pas de. Oui, non, il n'y a pas de malheureusement. Bronski, si, heureusement, qui est là, il va pouvoir faire du dommage peut-être avant de s'enfuir, de se casser. Non, non, il y va. Il y va et il vient mettre de la M. Oh, c'est pas c'est énorme. Pas très bien joué, ça, ouais, sur The Reaper. Alors, le double, par contre, qui est bien positionné entre les deux. Mais j'avoue non, mais que. J'ai l'impression qu'il va un peu dans la gueule du loup. Hein. Ouais, clairement. Après, il y a toujours le sacrifice et compagnie, mais c'est dangereux quand même s'il faut. C'est comme mon pseudo est plus censuré. Jamais, Uffy. Ça fait partie de l'histoire du CDO. Ça restera toujours comme ça. J'espère que tu t'es régalé avec ton kebab. Sacré Uffy, quoi. Ah là là, à chaque fois qu'il vient, maintenant, je me marre. Allez, autour de Vapoxide de jouer. Vapoxide. Donc sa gardienne qui est posée et qui, bah ouais, naturellement, des grosses écumes, hein. On a un Bronski qui est complètement isolé de sa team et au oui, milieu. Hein. Il aurait tort de ne pas foncer tête baissée, Vapoxide. Et ça, c'est vrai que c'est assez curieux ce choix tactique, hein, de se dire, surtout que le Yop est revenu dans les parages, on va être au tour 4. C'est assez fou de ce qu'a fait Bronski, là. Est-ce qu'il s'est pas un petit peu donné, est-ce qu'il a pas offert sa team même, hein, là. C'est assez compliqué pour les rouges finalement. Après, ils ont toujours le sacrifice pour survivre, mais. Après, le dragon est juste le tour d'après, mais il va survivre encore pendant un tour, il aura le temps de s'enfuir. Oh là là, Upkeeper, ça y est, qui veut tenter lui aussi le rush. Là, par contre, une zone parfaite pour éroder. Et là, par éroder. Contre, zone réflexe. Aïe 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 aïe, ça c'est il va ballot. Tomber des ailes. Ouais, ça c'est ballot. Ça c'est vraiment ballot. The ah là Reaper là, là, là. Ne peut pas. Pas le mal protéger. De petites erreurs quand même, hein, dans ce combat. Alors c'est normal, on est au début du tournoi, et il faut que les teams se rodent. Et on voit quelques petites erreurs, malheureusement. Hein, c'est. Ah, et la frappe du crackler. Enfin, je dis ça, mais moi, j'en ferai juste 10 fois plus. Hein. Je ne jette pas la pierre au joueur. Hein. Vraiment pas. Je ne jette pas la pierre au joueur, mais clairement pas. La frappe du crackler qui est claquée donc par The Reaper en profite. Et oui, de la proximité de Bronski. Ça va être à Lionji de venir de jouer. Est-ce qu'il peut venir apporter du soutien à Bronski? Oui, en ce. En se téléportant, ouais, téléglyphant, on dit maintenant. Et voilà, c'est ce qu'il fait. Allez, là, il y a la bastion, sûrement. Ah non, un non, coup de clairement flash. Pas. Clairement. Ah, on veut finir les ailes. Ouais, ouais. On priorise le kill. On priorise le kill. Et si Elif ne fait rien pour le sauver, Sherken va en venir à bout. Hein. Tout à fait. Il tout n'y à aura fait. Pas de coco. Il n'y aura pas de coco. C'est triste. C'est triste. Il n'aura même pas tenu 4 tours. Alors, moi je trouve, d'après ce que je vois ici, que la qualité de jeu n'est pas aussi bonne que Dominator. Eh bien, c'est pas vraiment comparable, Vaxizia, parce que Dominator, on a terminé sur des phases finales, donc forcément, c'est monté crescendo, hein, niveau skill. Et là, ça va être pareil, on part sur des phases de qualif, les équipes se rodent un petit peu, ils sont peut-être pas forcément très habitués à jouer les uns avec les autres, et ça va monter en puissance, rassurez-vous. C'est tout à fait normal. Ils se cherchent un peu au début. Hein, ils se cherchent, hein, tout à fait. Bon, certains ne se trouveront jamais, comme moi. Mais d'autres, vous verrez, feront des prouesses d'ici quelques jours. Allez, un portail est posé. Il va s'en servir pour soigner. Eh oui, c'est ça, Elif. Ouais, il fait ce qu'il peut. Ouais.
Il essaie de sauver son yacht. Certainement pas. Je suis sceptique quant à l'utilisation de cet héliotrope. J'en attendais beaucoup plus, je vous le cache pas. Et je pense que Fi aussi. Et non, on se fie au dommage, hein. La blague vient de ressortir sur Twitter, merde. Je pensais pas qu'elle... C'est pas grave. Alors, il y a aussi des paris sur le Brunator, on en parlera tout à l'heure, hein. Je ferai un petit point là-dessus. Des paris qui notamment se font sur Twitter. On en parlera tout à l'heure. Allez, autour de Shere Khan de jouer. Eh, il va finir en Ezel. Et ouais. Voilà, il va simplement détour. Et derrière, ça va faire bim bam boum. L'Oxo. Ouais. Aïe. Mais quoique, il peut encore survivre. Il va sur... Non, il va pas non, survivre. Il va pas survivre. Et c'est la mort du Yop sans Coco. Non. Il s'est dit, moi je m'en fous. Non. An enemy has been slain. Mais il s'est dit, moi je m'en fous, je tape mon EK, mais il faut finir ses Yop. Ouais. Oh, c'est triste. C'est triste de voir un Yop comme premier mort de cette soirée. Ça me fend le cœur. Alors, la Team Face qui va vraisemblablement remporter ce premier match, on va les voir jouer à nouveau après à 22h hein, ou 21h40, je sais plus. Ils enchaînent. Hein. 22h, ils enchaînent. Et là, pour le moment, eh bien, ils sont très bien partis en espérant qu'ils vont maintenir ce rythme et ce niveau de jeu pour le match suivant. Oh, c'est phénoménal, vous êtes 180 à nous regarder. Et là, Vapoxid qui est encerclé de 4 adversaires, il va pas tarder à tomber aussi. Hein. Ouais. Ça va être probablement la prochaine victime. Vapoxid, c'est peut-être son dernier tour de jeu. Hein. Profites-en, Vapoxid. Il se libère, mais il est toujours taclé, malheureusement, par Shere Khan. Hein. Sacré qui fait le taf depuis le début du combat entre sa coop et ses tacles. Hein. Il est bien utile. Ah, il va s'aspirer dans les portails. Ouais, il va s'aspirer. Voilà, bien joué. Ah, bah après, utile. Keeper pour les utiliser. De quoi? Ah, Hopkeeper pour les utiliser après les portails, donc ouais. Finalement ça revient un peu au même. Hein. Oui, c'est clair. Alors où est-ce qu'il peut aller Hopkeeper avec ce portail du coup? Bah juste à côté. Il peut même taper à travers. Il peut taper à travers. Taper plus fort. Oh putain oui, alors là il peut faire très très mal même. C'est ça. Allez Hopkeeper, on va voir ce qu'il va nous faire Hopkeeper. Là j'ai un petit peu peur pour ma Poxy. Est-ce qu'il pourrait pas le one turn? Tiens avec les portails, non. Ah, bah non. Non, il passe au travers. Passe au travers et on veut se faire cette Oza, on veut la tête de l'Oza. C'est normal, il a l'aile spirituelle, hein, The Reaper. Peut-être la cible là qu'il faut tomber en priorité. Et on a mis de l'érosion en plus. Et oui, incompréhensible, hein. On sait que Elif soigne. Tout à fait. Ouh, je crois que ce soir on va atteindre les 200. Pour du Bruminator. Si ça c'est pas beau. Le crackler qui est posé par The Reaper. Vous êtes vraiment géniaux les viewers, hein. Ça ne cesse de grimper tous les soirs le compteur de viewers, j'ai l'impression que l'e-sport sur Dofus est enfin en train de se développer, exactement. Surtout que j'ai pu parler à Xialé dernièrement, je ne dirai rien, mais il y a des choses très intéressantes qui se trament. Ah, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Et Xialé a employé elle-même le terme e-sport quand j'ai parlé avec elle, donc c'est plutôt plaisant. Voilà, attendez-vous à des choses à venir dans les jours qui viennent, ouais, tout à fait. Enfin, les jours ou peut-être les semaines qui viennent plutôt. Allez, Lionji, donc le Feka, ou la Feka d'ailleurs, qui lance Frisson. Alors j'avoue que c'est un sort ça que je ne maîtrise pas du tout. Frisson, Sou, est-ce que tu peux nous rappeler? Frisson, ça attire. Ça attire, ok. Allez, on vient taper sur The Reaper qui est sous érosion. Encore et toujours. Ah, ça va être Alif de jouer. Merci à toi, Pandawan971. Ça va être à Elif. Est-ce que Elif peut soigner The Reaper? Oui, il a été bien érodé quand même. Hein, donc c'est vrai que le soin face à tant d'érosion, c'est pas forcément... Ah, il va se régénérer du 250, quoi, grand max. Hein. Ouais. Merci bien, Godot, pour le petite explication de frisson. Ça attire, hein, j'avais bon. Ouais, c'est ça. Il y a encore 2-3 trucs sur les FK... que on n'en voit pas beaucoup, on n'en voit pas tant que ça dans les tournois des FK, hein. C'est quand même dingue. Hein. Bah, on en voit, y en a mais 8. Le problème c'est qu'ils exploitent pas tous leurs sorts. Donc... Ouais. Il y en a 8 là sur le Bruminator, donc on va pouvoir se rattraper. C'est pas mal. Ouais, c'est bien 8, c'est 10% des classes. Non, c'est cool hein, qu'il y ait autant de... Alors si on en parle un petit peu, on a 13 IOP, la classe la plus représentée, hein, normale.
À côté de ça, on a aussi 8 pandas. Je pense qu'on va avoir pas mal de pandas yop, notamment. On a ça d'ailleurs chez les Moanover. On a un yop et un panda. On a la même chose. Le Doppel Heliotrope, là, il joue contre son équipe. Hein. Ah bon? Il vient de ramener les K-flips par le portail. Ah ouais, mais on a trop en fait de yop panda quoi. On a Boskurt et Diablo Doop, pareil. On a Swordfire et Ravender du côté des Dofusart. On a la même chose du côté Pimpas Paradise avec Xineptune et Az. Non, c'est un sacré, pardon. C'est Dionysos le panda. Même combo côté Sug Paradise avec Zoroy et Jackie Chua. Bah, on sait que Panda Yop, c'est... avec le Shamrock Stab, c'est pratiquement incontrôlable pour la colère. Avec le pont dans le cul en prime, c'est juste monstrueux. Ouais. Ah tiens, je vois qu'il y a une team des nains qui s'appelle les Plots, composée de Feka, Eka, Eni, Sadi. Ça va être sympa, ça. Enfin, la team cancer, quoi. Je les supporterai quand même, allez. Oh putain, je vais supporter un Sadi, quoi. Gugus va me tuer. Ah, c'est pas vrai. Rejoins-nous du côté obscur. Et on a la team Brumerbe is back, les BBB avec Geig, ADN, Psylo et Boss Mickey. J'attends beaucoup de cette team-là, moi. Eh oui, moi aussi, hein. Des grands noms du PVP. Hein. Ouais, sur Brumer, on les a vus, on les a revus, on les a re-revus, ces joueurs-là. Il y a pas mal de Xel, il me semble. 1, 2, 3 Xel. On a Neo Chrono, Rostae et Jujuar. À voir ce que ça va donner côté Xel. Très plaisant de regarder les Xel hein, quand ils savent bien jouer. Suite à cette refonte. On l'a vu avec Soliloque Dominator. Hein. Exactement, Soliloque. Alors, qui était. Enfin, il maîtrisait son Xel, Soliloque, mais il avait encore des périodes de doute. Ça se sentait. Hein, sur certains moves, on sentait qu'il était un petit peu fébrile. Mais quand même, il maîtrisait, oui, dans les grandes lignes. À 90%, il arrivait à claquer des choses absolument phénoménales. Hein. Allez, la chance. Ça va tourner dans le tas, voilà. Putain, c'est énorme hein, pour 2P. Ouais. Ah bah c'est Ekaflip. C'est de l'Ekaflip. 183 à nous regarder. C'est l'effet Zay, ça, en fait. Hein. C'est fou, hein. Depuis que Zay commente avec nous, ça y est. L'effet Zay. L'effet Zay, c'est ça. Zay, tu fais de l'effet. Enfin, non, viewer. C'est l'effet Zay. Ou l'effet sous. Je pense pas, non. Si, pourquoi pas. Rocox, lui, par contre, pour l'avoir vu récemment, il maîtrise parfaitement la classe. Ouais, je n'en doute pas. Rocox qui a toujours maîtrisé parfaitement ses moves. Hein, que ce soit avant la refonte ou après. En effet, j'ai pu le voir à l'œuvre. Il est absolument impressionnant. Il a compris tout de suite l'intérêt du nouveau Xelor, hein, Rocox. Et il a su l'exploiter comme il se doit. Allez, à la Yunji de jouer. Bon, mais là, je crois qu'on est vraiment sur une victoire assurée de cette team des fesses. C'est pas dit, hein. C'est pas dit, tu crois? Si, quand même. Bah, il y a quand même Brunsky et Hopkeeper qui est quand même bien amoché. Hein. Et surtout que Hopkeeper, il va perdre sa chance au prochain tour. Enfin, il va la prendre en x2. Enfin, t'as vu l'état de The Reaper? Ouais, enfin, oui, aussi, oui. Ah non, Sou, tu peux pas dire ça. Là, ils sont morts, ouais. Les bleus. C'est terminé pour eux. Tant que le match n'est pas terminé, il y a toujours une lueur d'espoir. Quand t'as un roublard, oui. Quand t'as des murs de bombes, oui. Toujours des retournements. Mais là, non. Comment veux-tu qu'ils retournent la game, les bleus? Bah, moi, j'ai confiance en eux. Bah, ce serait des nains fous, oui, peut-être. Mais là, en l'occurrence... le chauvin quoi. Chauvin. Allez Leaf. Allez Leaf. À moins qu'il nous sorte. C'est vrai qu'à part soigner, c'était le trop, on l'a pas vu des masses. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas malheureusement grand chose de plus. Pas grand chose de plus dans son panel de compétences a priori Leaf. Mais bon, c'est aussi peut-être, ouais, c'est un premier tournoi. Il y a une grosse pression sur les épaules de cet Heliotrope. C'est le premier tournoi Heliotrope en tournoi qu'on peut voir, qu'on peut commenter. Au moins, il a le mérite de se présenter. Il a le mérite de se présenter. Mais exactement. Non seulement il se présente, mais en plus, il se présente.
Allez, la transpute Shere Khan qui vient mettre un joli coup de martel, la Shere Khan. Et c'en est fini, je pense, pour The Reaper. On est à 500 HP encore hein, pour Reaper. Il tient bon. Brown il tient Sky bon, va terminer The Reaper. Oh putain, ça y est, il prend l'accent américain quoi. C'est comme sur les matchs de NBA, les viewers, vous savez. Brown Sky, Brown Sky. Yeah, The Reaper. Et il sort l'invi juste derrière. And Reaper is dead. Hein? As dead Reaper, yeah. An enemy has been slain. Bravo pour cet avantage pris par les fesses. Hein. Vraiment, on est. C'est très bizarre de dire ça. Bravo, non, félicitations, bravo. On est à 4 contre 2. Bravo aux fesses. Bravo aux fesses. Les fesses vaincront, je pense. Eh bien. Et ce n'est plus qu'une histoire de temps hein, pour que les guildes gagnent. Hein. Oui. Non c'est pas les guildes, c'est les autres. C'est les fesses. Les fesses, ouais. Tout à fait. Et ouais, sur Brumaire, gare à vos fesses. Allez, Upkeeper, on se contre-couille, on vient mettre des jolis coups de dague, de la Srambat, ça c'est pas, mais ça fait bien mal, juste un bluff derrière sur Apoxide, les Srambat qui ont cette particularité de ne pas cesser, je crois. Tout à fait, il n'y a pas de critique. Pas de cesser, mais c'est quand même bien... C'est quand même bien violent, bien bourrin, avec le régène. C'est super intéressant, finalement, face à des grosses récrites. Hein. Ouais, oui, c'est justement contradictoire par rapport à la panorène des voleurs hein, qui offre des rescrits et puis son arme qui donne pas de. Ouais. Il fait pas de CC donc. Et comme on en voit plus en ce moment, c'est d'autant plus avantageux. Tout à fait. Allez, on dit Frépu qui est posé par la Yundi. Evapoxide va mourir. Hein. Ouais. Evapoxide est terminé. Et donc il et la pauvre Elif va tomber. Elif. Elle est encerclée dans une gravitationnelle, elle peut pas bien aller loin. Ah bah, de toute façon, il y a plus grand chose à espérer de toute façon et... pour ces bleus. Alors les viewers, dites-nous, qu'avez-vous fait fesses, hein. De votre journée? Êtes-vous heureux d'assister ce soir à du Brubinator? Je pense que oui, parce qu'on est quand même sur un tournoi de haute volée. Et merci à Suspense... Kevin, pour le follow. Kevin, il y a des gens qui utilisent encore le pseudo Kevin, quoi. Putain, t'es méchant avec les Kevin. C'est peut-être son prénom, ouais. Les méchants, quoi. Alors si, Kevin, justement, on a un tournoi sur Ménalt qui s'appelle le Phénoménalt. D'ailleurs, je pourrais vous faire un point sur les tournois à venir, si ça vous intéresse. Dites-moi dans le chat, si vous voulez, je vous dis ce qui arrive. Prochainement. J'ai ça quelque part sur mon PC. Je crois. Attendez, je vais regarder que je dise pas une connerie parce que... Je crois que... Par contre, étonnamment, je trouve que ce SRAM ne tape pas très fort quand même. J'ai vu faire des petites M tout à l'heure. Oui, je l'ai sur mon PC, c'est bon. Bon, le temps que le match se termine, il n'y a plus grand chose à en dire... Juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, entre 12 potentiellement, entre le dernier Goulta et le Goulta 2015, nous aurons et nous allons commenter 12 tournois au total. C'est énorme, hein ? Énorme. Et donc là, on est en milieu de saison. On est en milieu de saison avec ce Brubinator. On poursuivra à partir du mois de mars, du 9 mars au 29 mars, avec les Joultes d'Ulgrud. Ensuite, on passe sur un Survivors 5... Du 23 mars au 19 avril, Survivors, c'est Rick et Rel, hein, très gros tournoi. On poursuit sur Hercule du 20 avril au 10 mai avec la revanche d'Hercule 2. La Major Jol Guild 3 qui arrivera du 11 mai au 7 juin, règlement à venir. Et un